question à tout le monde. En fait, donc, en tant que représentant, mais il y a plusieurs autres personnes ici dans la salle de la section locale de des droits de l'homme, hein, juste vous annoncer tout de suite, avant de passer la parole à Raphaël, qui va vous expliquer de façon plus générale la raison pour laquelle il est présent aujourd'hui. Ce matin est tombé le délibéré dans le dossier concernant Camille Yalu, qui était poursuivi au tribunal et qui a été jugé avant-hier pour entrave à la circulation. Camille a été relaxée ce matin. Donc, il faut savoir qu'en matière de justice, le procureur de l'autorité qui poursuit a 10 jours éventuellement pour relever appel, car c'est la personne qui est condamnée, elle-même c'est pareil. Donc il faut attendre 10 jours pour savoir si le parquet on dit, va relever appel ou pas. Mais ce qui est assez inédit d'ailleurs de la décision de ce matin, c'est que le juge a expliqué sa décision. En général, lorsqu'il a délibéré, le juge dit « Monsieur, madame, vous êtes condamné à telle peine, vous êtes relaxé, point barre. » Là, il a expliqué sa décision. Il a bien dit d'abord que la façon dont la police s'était comportée, elle avait instrumentalisé le dossier. Un, que deux, effectivement, si Camille Yalu était présente sur les lieux, en réalité, elle n'a pas participé à l'entrave à la circulation. Il a cité une vidéo de 15 minutes qu'il a regardée consciencieusement, et il dit, mais cette vidéo, Madame Alu, on la voit de façon tout à fait fugace, et en plus de cela, en rien, elle a entravé la circulation. Elle était présente sur le côté, le long de la barrière centrale, comme c'était prévu pour nous, puisqu'on est toujours sur les côtés des manifestations, et par conséquent, en admettant même qu'elle était présente, pas sur le côté, de toute façon, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle l'élément intentionnel. Il fallait qu'on puisse démontrer qu'elle avait envie d'eux. Et elle dit, Madame Alu était présente comme observatrice des droits de l'homme pour observer ce qui se passait. Par conséquent, en aucune façon, elle ne devait et pouvait effectivement participer à l'action en question. La vidéo est suffisamment claire pour moi, je relaxe. Donc, une motivation qui, sur le fond, rappelle pour certains qui sont au courant la décision qui a été rendue à Lyon il y a une quinzaine de jours dans l'affaire des portraits Macron, des juges qui maintenant n'hésitent pas à motiver de façon assez critique l'action pour laquelle les gens sont poursuivis. Donc c'est quand même un point positif. On va voir s'il n'y a pas ou pas. Et avant de passer la parole à Raphaël, je rappelle quand même de rester mobilisé, puisque lors du samedi 21 septembre, rappelez-vous ceux qui étaient présents vers 16h, place de la préfecture, Camille a été à nouveau interpellée et elle est poursuivie à nouveau devant le tribunal de Montpellier le 12 décembre pour 3 chefs d'inculpation. Rébellion, visage partiellement caché en cours de manifestation et refus de prélèvement ADN. Donc la mobilisation continue et donc je donne d'ores et déjà rendez-vous au 12 décembre à 14h au tribunal à Montpellier. On reviendra après sur le reste, sur ce qui se passe à Montpellier, mais le principal intervenant qui va vous passer de façon générale, c'est Raphaël Kempf. Raphaël Kempf qui est avocat à Paris, qui est également collaborateur à l'occasion du Monde diplomatique, où il écrit en temps des articles sur la situation, et qui, on vient de le dire, est l'auteur de ce superbe ouvrage, Ennemis d'État, des lois scélérates, des anarchistes aux terroristes, et qui, depuis plusieurs années, effectivement, est présent et défend les manifestants pour montrer que la liberté publique doit être assurée dans ce pays, quoi qu'il arrive. Et ses interventions ne sont pas liées uniquement aux Gilets jaunes. Ça fait des années qu'il est sur le terrain, et notamment récemment, la COP21, la loi travail, etc. Et maintenant, je laisse la parole pour qu'il vous dise pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il a à vous dire. Bonsoir, merci vraiment pour l'invitation qui a été décalée à plusieurs reprises. Donc je suis vraiment ravi que finalement ça puisse avoir lieu. Ça devait avoir lieu en juin, ça devait avoir lieu la semaine dernière et j'ai in extremis demandé à ce que ce soit repoussé parce que j'ai été appelé pour intervenir à la cour d'appel de Pau pour défendre les trois Allemands
qui avait été arrêté dans le cadre du sommet du G7, et je reviendrai sur cette affaire parce qu'elle est, à mon avis, assez emblématique de ce dont nous allons parler ce soir. Donc on m'a invité sur la répression judiciaire du mouvement des Gilets jaunes, mais également sur ce livre. Donc je vais essayer de traiter les choses en deux parties, hein, c'est simplement. Donc d'abord la répression judiciaire, ensuite le livre. Et en fait, ce qui est assez intéressant, je pense, c'est que je me suis retrouvé à écrire ce livre, c'est un peu une coïncidence, au moment où je me suis retrouvé à défendre des Gilets jaunes. Et c'est pas anodin, ça a un sens, enfin, je vais l'expliquer. Donc sur la question de la répression judiciaire des Gilets jaunes, c'est une répression qui a été particulièrement féroce, et on s'en est rendu compte assez rapidement, mais qui en même temps s'inscrit dans un mouvement de répression judiciaire des mouvements sociaux depuis plusieurs années. On a parlé de la COP21 en 2015, de la question de l'état d'urgence, des interdictions de manifester, du mouvement contre la loi travail et d'autres mouvements qui ont lieu par la suite. La semaine dernière, Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'Intérieur, est intervenu dans un colloque privé qui était organisé par un avocat de droite radicalisé qui invitait des gens pour parler de la question de la doctrine du maintien de l'ordre. Et donc il invitait certaines huiles de la police et notamment du gouvernement, dont Laurent Nunez. Et Laurent Nunez a dit « Il faut que nous repensions notre doctrine du maintien de l'ordre et notre doctrine du maintien de l'ordre doit inclure un volet sur la répression judiciaire ». Et c'est très frappant d'entendre un ministre de l'Intérieur, donc en plus la justice n'est même pas son champ de compétences, venir nous dire que pour maintenir l'ordre, il faut intégrer la question judiciaire. Et en fait, ce que nous observons, quand je dis nous, en fait, c'est parce que je travaille en collectif d'avocats depuis plusieurs années, et donc les expériences que nous construisons, on les construit collectivement, entre avocats, mais aussi en lien avec les militants qui, sur le terrain, font le lien avec nous et avec les personnes qui sont arrêtées, placées en garde à vue, puis jugées, éventuellement incarcérées. Donc, nous constatons depuis plusieurs années que la justice est utilisée par le gouvernement dans le but de faire du maintien de l'ordre, alors que tel n'est pas l'objet de la justice, et plus précisément du droit pénal. Le droit pénal, c'est un droit qui a pour objet de punir les auteurs d'infractions et d'en découvrir les auteurs. Ça fait un peu cours de droit, mais c'est important de rappeler que l'objet du droit pénal tel qu'il s'est construit depuis la Révolution française, c'est de savoir si quelqu'un a commis ou pas une infraction, et si tel est le cas, de le juger et de le condamner éventuellement à une peine juste et proportionnée. Mais l'objet du droit pénal n'est pas d'empêcher à des personnes de se rendre à des manifestations, ce n'est pas de les empêcher d'exercer un droit fondamental. Et pourtant, dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Alors je vais essayer de faire les choses un peu chronologiquement. Les Gilets jaunes, ça commence il y a à peu près un an, vers le mois de novembre 2018. Et très rapidement, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, va prendre une circulaire qu'elle va envoyer au procureur de la République et aux procureurs généraux dans toute la France. Alors c'est intéressant, il faut le souligner, parce que en France, le ministère public, le parquet dont Jean-Jacques a parlé il y a un instant, c'est l'autorité qui accuse, mais ce n'est pas une autorité judiciaire indépendante. Contrairement au juge du siège, tel celui qui, ce matin, a relaxé Camille Allu. Voilà, je pense que c'est important de bien rappeler cette distinction, parce que quand on parle de la justice avec des gens qui ne sont pas familiarisés avec l'institution judiciaire, on a l'impression que c'est la même chose. Non, il y a vraiment deux corps différents, avec l'un qui accuse et qui n'est pas indépendant, et un qui juge et qui est indépendant. Donc Nicole Belloubet, le 22 novembre 2018, elle prend une circulaire qu'elle envoie à tous les procureurs en France, et dans cette circulaire, elle dit quoi? Elle dit « Pour réprimer le mouvement des Gilets jaunes, je vous demande plusieurs choses. » La première chose qu'elle demande, c'est qu'elle demande au procureur d'utiliser un article du Code de procédure pénale, qui est l'article 78-2-2 pour les aficionados, ceux qui s'intéressent, mais qui en fait permet au procureur de donner aux policiers l'autorisation de contrôler votre identité, de fouiller vos sacs et de fouiller vos voitures sans avoir à justifier d'une quelconque raison. En fait, ça, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que lorsqu'un policier regarde ce qu'il y a dans votre sac ou dans votre voiture, ce policier porte atteinte à votre droit, à votre vie privée, qui est quand même un droit fondamental, et donc théoriquement, il ne peut faire cela que pour des raisons qui sont justifiées et légitimes. Par exemple, si on vous soupçonne d'avoir commis une infraction, c'est-à-dire qu'un policier vous voit en flag, en train d'essayer de commettre une infraction, il va avoir le droit de vous arrêter, de vous contrôler et de vous fouiller, vous et votre voiture.
Donc ça, c'est l'équivalent d'une perquisition. Mais là, avec ces circulaires et avec ces réquisitions prises par les procureurs de la République dans toute la France, tout d'un coup, les policiers n'avaient plus aucune raison à donner. Ils pouvaient, dans un espace et une durée donnée, contrôler l'identité de tout un chacun, fouiller les sacs, sans avoir à dire pourquoi. Et en fait, cet article de loi, il est extrêmement intéressant parce que quand on en fait la généalogie, on se rend compte qu'il a été créé en 2001, juste après les attentats du 11 septembre 2001. Donc à l'époque, c'était la gauche, entre guillemets, socialiste qui était au pouvoir. Daniel Vaillant était ministre de l'Intérieur. Et juste après les attentats du 11 septembre, Daniel Vaillant va à l'Assemblée avec un projet de loi. Il dit « Voilà, pour lutter contre le terrorisme, je vous demande de voter cette loi que je vous propose qui permet aux procureurs d'autoriser les policiers à fouiller les sacs des citoyens sans raison. » On n'a jamais vu un attentat terroriste être empêché par un contrôle d'identité et une fouille de sacs. Pourtant, c'était la première mesure antiterroriste vendue par le gouvernement socialiste à l'époque, après le 11 septembre. Et alors Daniel Vaillant, il dit quoi à l'époque? Il dit « Vous inquiétez pas, cette loi, elle sera utilisée que pour le terrorisme et que pendant 2 ans. » Et en fait, 2 ans après, c'est Sarkozy qui est ministre de l'Intérieur, la droite revient au pouvoir, etc. Et donc là, tout d'un coup, ils vont dire « Ah mais non, finalement, on va rendre ça définitif, enfin permanent. Donc il n'y a plus la limite de temps de 2 ans. » Et après, il y aura d'autres modifications législatives qui vont faire que ce texte va pouvoir s'appliquer à quasiment un très grand nombre d'infractions, y compris de droit commun, et pas uniquement des infractions terroristes. Donc on voit comment un texte fait contre les terroristes initialement est utilisé 17 ans plus tard pour réprimer des mouvements de protestation, en l'occurrence les Gilets jaunes. Donc très concrètement, dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, à partir de la fin du mois de novembre et début des mois de décembre, des procureurs de la République dans toute la France ont tous les samedis donné cette autorisation aux policiers de fouiller les sacs, mais sur des étendues très vastes. Alors j'ai pu constater ça évidemment à Paris, parce que c'est là que j'exerce mon métier, où le procureur de la République de Paris, toutes les semaines, il autorisait les policiers à procéder à ces contrôles sur toute la ville de Paris. Donc ça concerne potentiellement des millions de personnes, avec les gens qui passent dans Paris dans le cours d'une journée, et sur tout le territoire de Paris pendant 24 heures, ce qui est énorme, et ce qui est un pouvoir donné aux policiers qui apparaît comme disproportionné. Mais on a vu aussi, dans des dossiers que j'ai eu à traiter ailleurs en France, ce type de réquisition être utilisé par exemple sur des axes routiers qui permettent d'aller vers des grandes villes, notamment à Paris mais pas que, où des gens allaient se rendre aux manifestations des Gilets jaunes le samedi. Et j'ai eu à défendre des Bretons qui, le samedi 8 décembre 2018, se rendaient à Paris pour manifester, pour exercer leur liberté de manifester. Et donc ils sont arrêtés à un péage en Normandie, donc sur la route, vers Deauville, et sur la base de réquisitions prises par le procureur de Lisieux, en application de la circulaire de Nicole Belloubet. Et donc les gendarmes, en l'occurrence, qui sont des gendarmes dans la région de Deauville, ils contrôlent la voiture de ces manifestants, et ils vont découvrir des gilets jaunes, ils vont découvrir des ballons de baudruche, et ils vont découvrir un certain nombre d'outils. Parce que le conducteur et propriétaire de la voiture avait tout un tas d'outils dans sa voiture, comme on peut, vous et moi, en avoir. Enfin, moi, j'ai pas de voiture, mais peut-être que si j'en avais une, j'aurais des... Enfin, sur mon vélo, j'ai quelques outils, mais bon, bref. Donc, on voit qu'ils disent ça, ils voient tout ça, donc ils se disent, on les place en garde à vue. Alors, moi, je vous ai parlé d'un texte, 78.2, qui autorise le contrôle et la fouille, mais ensuite, pourquoi ils sont placés en garde à vue? Ils sont placés en garde à vue sur la base d'un autre article de loi, qui a été écrit en 2010, et que je considère, j'y viendrai, comme étant une loi scélérate, qui est un délit qui s'appelle le délit de participation à un groupement formé même de façon temporaire en vue de la commission de violence ou de dégradation. Voilà, 222-14-2 pour les intimes. Donc cet article, il a été créé dans le code pénal en 2010 à l'initiative du député Estrosi, donc c'était Sarkozy qui était au pouvoir à l'époque. Et il y avait eu des faits divers qui avaient ému dans les rangs du pouvoir de droite, etc., où des jeunes de banlieue, avec beaucoup de guillemets, s'étaient introduits dans des établissements scolaires, etc. Et donc il y avait eu une campagne un peu médiatique sur la question des violences de groupe dans les banlieues. Et donc là, la droite et Estrosi arrivent et disent « Non, il faut pouvoir lutter contre les violences de groupe, il faut pouvoir lutter contre les violences de groupe des jeunes de banlieue, même quand ils n'ont rien fait ».
avec l'idée qu'il faut lutter contre le fait qu'il prépare des violences. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière ce texte, c'est l'idée, selon moi, que des jeunes qui vont se réunir dans l'espace public vont nécessairement, d'une certaine manière, être potentiellement en train de préparer quelque chose. Donc en fait, voilà l'idéologie qu'il y a derrière ce texte, c'est pas de punir un acte en tant que tel, mais la préparation présumée d'un acte délictueux. Et donc cet article, il est passé dans la loi en 2010, il a été très peu utilisé pendant des années, il a commencé à être utilisé en 2016-2017 dans un contexte qui n'était pas le contexte pour lequel il avait été fait au départ. C'est-à-dire qu'il a commencé à être utilisé dans un contexte de manifestation. Et il a été utilisé de façon massive, voire même industrielle, dans le cadre de la répression du mouvement des Gilets jaunes. Et donc là, nos trois Bretons qui sont arrêtés au péage de Deauville, avec cet outillage dans la voiture, les gendarmes appellent le procureur de la République de Lisieux, en l'occurrence, et leur disent « Bon, mais qu'est-ce qu'on fait de ces trois messieurs ?»« Ben, vous me les placez en garde à vue parce qu'ils constituent un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. » Mais comment fait-on pour déduire l'intention de commettre des violences du simple fait que ces personnes avaient ces objets-là dans leur voiture et qu'elles se rendaient à une manifestation? En fait, à travers cet article-là, ce qui est puni, c'est la volonté de se rendre à une manifestation. Et donc, ils sont placés en garde à vue, ils sont libérés dans la journée, donc ils n'ont pas pu exercer leur liberté de manifester, ils n'ont pas pu se rendre à Paris. Ils sont convoqués devant le tribunal correctionnel au mois de juin, donc six mois plus tard. Et à Lisieux, nous avons une très bonne décision parce qu'on a obtenu l'annulation des réquisitions du procureur de la République au motif que celles-ci n'étaient pas justifiées, en invoquant une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui exige que ces réquisitions-là du procureur fassent état de ce que des infractions ont effectivement été commises à l'endroit où on les recherche. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, pour qu'elles aient été justifiées, il aurait fallu que des infractions aient été préalablement commises au péage de Deauville sur l'autoroute, alors je ne sais plus, je crois que c'était la 13, ce qui était une preuve absolument impossible à rapporter, il n'y avait évidemment aucune infraction qui est commise à cet endroit-là. Donc le tribunal correctionnel de Lisieux a annulé ça. Pour nous, c'était une très bonne nouvelle, et il y a eu d'autres annulations devant d'autres tribunaux à diverses reprises de ces réquisitions. Mais en attendant, le problème, c'est que le mal, d'une certaine manière, était déjà fait, parce qu'ils avaient été privés de leur liberté de manifester. Donc finalement, ils ont été relaxés, mais on se serait bien passé de cette procédure judiciaire, de ce procès, etc. Et j'aurais préféré qu'ils puissent aller manifester concrètement. Donc ça, c'est un aspect. À Paris, en décembre, on a eu des centaines, voire plus de 1000 en début décembre, garde à vue pendant un week-end de manifestants gilets jaunes qui ont été privés de leur liberté de manifester sur la base de ces articles-là. Il faut savoir qu'à Paris, l'immense majorité de ces gardés à vue ont été relâchés sans aucune suite judiciaire le samedi soir et plus généralement le dimanche. Ce qui veut dire en fait qu'il y avait contre eux vraiment pas grand-chose et qu'on n'arrivait pas à caractériser l'infraction de groupement qui leur était reprochée. Précisément parce que caractériser l'intention d'un individu de commettre des violences, ça implique finalement de rentrer un peu dans son esprit pour voir quelles sont ses intentions profondes. C'est un peu l'idée du film ou de la nouvelle de Philip K. Dick, Minority Report, vous savez, ou cette nouvelle de science-fiction, où on va essayer de prédire le crime et d'arrêter les criminels avant qu'ils ne commettent des infractions. Donc la logique du délit de groupement, c'est ça. Et donc là, nos gilets jaunes, ils sont en garde à vue, la plupart sont relâchés sans suite, et en fait, on a appris, grâce au travail de la presse, alors ça a été le Canard Enchaîné qui a sorti ça, puis France Info, au mois de janvier, donc un mois après, ils ont réussi à obtenir un email qui avait été envoyé par le procureur de la République de Paris à ses subordonnés, parce qu'il faut savoir que le ministère public, c'est une organisation hiérarchisée. Comme je l'ai dit, ils ne sont pas indépendants, mais en plus, c'est hiérarchisé. Et donc le chef du parquet de Paris demande à ses subordonnés de maintenir les gilets jaunes en garde à vue qui ont été interpellés dans le cadre des manifestations ou avant les manifestations, de les placer en garde à vue, de les maintenir en garde à vue jusqu'au samedi soir ou au dimanche matin, même, ajoute-t-il, s'il n'y a rien à leur reprocher, et ce, dit-il, dans le but de les empêcher de rejoindre les fauteurs de troubles. Donc très concrètement, on a un procureur de la République qui, je vous rappelle, prend des réquisitions en votre nom et en mon nom, enfin en notre nom à tous, parce qu'ils sont chargés à travers leurs actes de prendre la défense de la société, de requérir au nom des intérêts de la société. Donc ce procureur de la République détourne
l'objet de la garde à vue, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rechercher si quelqu'un a commis ou pas une infraction, il le détourne dans le but d'empêcher à des gens de se rendre aux manifestations, ce qui est absolument intolérable et inadmissible dans un état de droit. Ensuite, je l'ai dit, la plupart sont libérés, mais certains ne le sont pas tous. Et certains sont déférés. Alors ça, déféré, c'est un terme, je vais peut-être expliquer un peu, mais déféré, c'est le fait qu'après votre garde à vue, vous êtes conduit du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie devant le procureur, c'est-à-dire au tribunal. Donc on vous déplace, et là, le procureur va décider ce qu'il fait de vous. Et au moment de ce déferrement, comme on dit, le procureur décide soit de vous relâcher, soit de vous envoyer pour être jugé en comparution immédiate. Et donc là, on a vu au mois de décembre, puis après pendant tous les samedis des Gilets jaunes, et donc on avait tous les lundis et tous les mardis de chaque semaine des audiences à Paris et ailleurs en France, de comparution immédiate pour juger des Gilets jaunes, et il y a eu ce que je considère comme étant une mise en spectacle de la justice. Je vous donne un exemple très concret. La manifestation du samedi 1er décembre, je crois de mémoire que c'est l'acte 3 du mouvement des Gilets jaunes, donc où Paris a été quelque peu amoché, notamment dans les beaux quartiers. Un certain nombre de personnes ont été interpellées et un certain nombre sont en garde à vue. Donc là, on est le dimanche, le lendemain de la manifestation. Nicole Belloubet fait quoi? Elle va au tribunal à Paris. Elle se rend dans les locaux du procureur de la République de Paris et elle annonce elle-même devant les caméras de télévision en direct, je vous dis qu'il y aura demain des personnes qui vont être jugées en comparution immédiate. Ce qui est, une ingérence extraordinaire du pouvoir politique dans la conduite des affaires judiciaires. Et ce qui, entre nous, d'une certaine manière, est quasiment normal, parce que, comme je l'ai dit, le parquet n'est pas indépendant. Sauf que là, on l'a vu de façon très extrêmement visible, parce que c'était devant les caméras de télévision. Donc elle annonce à la place même des magistrats qu'il y aura des comparutions immédiates. Et donc, quand je parle de mise en spectacle, c'est parce que il y avait une émotion le jour de la manifestation, le samedi, qui faisait que une certaine opinion publique réclamait des sanctions contre ce qu'on appelle les casseurs et ce qu'on appelle les black blocs, avec beaucoup de guillemets, etc. Et donc il fallait que du côté de la justice, ça suive et qu'on puisse dire le lundi ou le mardi qu'on a obtenu des condamnations d'un certain nombre de ces casseurs entre guillemets ou de ces manifestants violents. Donc c'est en ça que la justice est utilisée de façon spectaculaire pour montrer qu'on obtient des condamnations. Et c'est les raisons pour lesquelles nous avons vu des chambres spéciales, que je considère comme étant des tribunaux d'exception, ni plus ni moins, qui ont été ouvertes pour juger les Gilets jaunes. Il faut savoir qu'à Paris, en temps normal, chaque jour, vous avez deux salles d'audience pour les comparutions immédiates, pour juger dans des conditions détestables. On peut faire la critique de la comparution immédiate en tant que telle, mais là, c'est pas l'objet du débat, mais en tout état de cause, on a, un jour comme aujourd'hui, je pense, deux chambres de comparution immédiate à Paris, pour juger des délits de droit commun. Et donc là, au plus fort du mouvement des Gilets jaunes, on avait cinq chambres, donc trois chambres supplémentaires pour juger des Gilets jaunes. Donc pour moi, ce sont des tribunaux d'exception. On a ramené des magistrats supplémentaires, on a ramené des procureurs, des greffiers, on a mis des moyens, et aussi des moyens financiers, pour juger rapidement, en vitesse, des Gilets jaunes, en incarcérer certains, obtenir des condamnations, etc., etc. Petit aparté sur la question du délit politique. Alors j'en profite parce que j'ai des gens pour m'écouter là-dessus, mais en France, on a une tradition, quand j'ai une tradition, c'est depuis au moins le 19e siècle, de la question du délit politique. Pour vous donner une idée, en 1848, la peine de mort est interdite pour les délinquants politiques. Et un certain nombre de mesures favorables s'appliquent aux délinquants politiques. Par exemple, il y a encore aujourd'hui dans nos codes un article qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la comparution immédiate pour les délits politiques. Donc nous, ce qu'on considère, c'est que les délits qui sont reprochés aux Gilets jaunes sont des délits politiques et donc on ne peut pas utiliser la comparution immédiate. Pour l'instant, les tribunaux ne nous ont pas suivis sur ce point. Mais ça me paraît important de faire cet aparté pour rappeler qu'il y a en France, dans la tradition juridique française, une histoire du délit politique et une histoire de clémence à l'égard du délit politique, alors que là, ce qu'on voit depuis un an, c'est exactement le contraire, quelque chose qui va à rebours de cette tradition républicaine qui consiste justement à accorder cette clémence aux délinquants ou à ceux qui sont accusés de délit politique. Donc une fois que vous êtes devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, on va vous juger. Et donc là, on va vous juger sur la base de quoi?
Et bien, on va vous juger sur la base de vraiment, vraiment pas grand-chose. Très concrètement, il m'est arrivé effectivement de défendre des gens qui étaient poursuivis, accusés d'avoir effectivement commis des violences. Donc les soi-disant casseurs dont on a tellement entendu parler. Et pas seulement des gens à qui on reprochait l'intention d'en commettre. Mais des gens à qui étaient reprochés, par exemple, le fait d'avoir jeté un caillou ou des pavés ou des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre ou dans leur direction. Et ensuite, la question devant un tribunal, c'est d'apporter la preuve de ce que la personne a effectivement commis un acte de violence. Et en fait, ce qu'on a observé dans le cadre de la répression judiciaire du mouvement des Gilets jaunes, c'est que les tribunaux se sont satisfaits, à mon grand regret, d'un niveau de preuve extrêmement faible, extrêmement bas. Je vous donne un exemple. On a ce qu'on appelle une fiche d'interpellation. Une fiche d'interpellation, c'est une page A4, recto, parfois recto verso, qui est pré-remplie avec des cases à cocher, comme un QCM, que le policier peut remplir sur le capot d'une automobile dans la rue, dans la manifestation, et il dit « j'ai interpellé monsieur un tel, à tel endroit, à telle heure », il coche la case « violence sur policier », il va mettre une phrase en disant « il nous a jeté des cailloux », et il va donner ce document à la justice, d'abord à ses chefs, à officier de police judiciaire, ensuite au parquet, et ensuite au tribunal. Et j'ai vu des gilets jaunes être condamnés, parfois même à de la prison ferme, sur la seule base de cette fiche d'interpellation. Et je pense que c'est un scandale qu'en France, on puisse condamner sans exiger un niveau de preuve plus élevé. J'ai été... La première réunion qu'on devait avoir ici devait avoir lieu au mois de juin. J'étais à Hambourg, j'étais invité à Hambourg pour parler avec des confrères allemands sur la question de la répression du mouvement des contre-sommets du G20 il y a 2 ans. Et en fait, le système judiciaire allemand, enfin, il est critiquable pour d'autres raisons, mais en tout cas au niveau de la preuve, moi, ce que j'ai découvert en parlant avec des avocats allemands, c'est que les juges allemands exigent un niveau de preuve très élevé. Ils exigent que les policiers viennent à l'audience, qu'ils disent comment est-ce qu'ils ont reconnu telle personne qui, soi-disant, a commis des violences, etc. Il y a une vraie discussion. En France, on n'a pas ça. Il y a une fiche. On dit « Attendez, maître, vous me dites que ce policier qui a rédigé cette fiche est en train de mentir ?» Oui, alors, je sais pas si je dis qu'il ment, mais en tout cas, je dis qu'il s'est trompé. Et malheureusement, on a eu ce type de condamnation avec des personnes effectivement incarcérées. Voilà, donc ensuite, comment réagissent les tribunaux aussi sur la question de la sanction? Évidemment, ils n'envoyaient pas tout le monde en prison, mais moi j'ai ressenti dans le comportement des tribunaux une forme de violence un peu de classe à l'égard des gilets jaunes. Il faut savoir que les gilets jaunes, c'est des gens, vous savez peut-être comme moi, en tout cas moi j'ai été frappé parce que je les ai rencontrés cette année, donc je suis très heureux aussi de ces rencontres formidables que j'ai faites avec des gens, mes clients que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer autrement, qui sont pour la majeure partie d'entre eux des gens qui n'avaient pas de culture politique avant et qui n'avaient pas de culture de la manifestation et qui pour la première fois se rendaient dans des mouvements revendicatifs, dans des manifestations et qui, soit dit en passant, avaient à l'égard de la police, de la justice et de l'institution étatique plutôt une forme de déférence et de respect. Mais en fait, à force de se prendre des violences policières et des violences judiciaires dans la figure, ils ont nourri, à mon avis, de façon tout à fait légitime, un ressentiment, une critique à l'égard de l'État, et certains se sont organisés, se sont politisés à travers ce mouvement-là. Mais ce qu'on voit dans le monde sociologique aussi, c'est que ce sont des gens qui souvent exerçaient des métiers en intérim, dans des conditions extrêmement difficiles, pour des salaires de misère, dans des zones rurales ou urbaines, dans des usines dégueulasses. Enfin, beaucoup m'ont parlé de leurs conditions de travail, et j'ai été très très touché par ça. Et ce sont des gens qui, en général, n'étaient pas parisiens. C'est-à-dire que j'ai défendu très peu devant les tribunaux à Paris, j'ai défendu très peu de parisiens. J'ai défendu des gens qui venaient des Ardennes, des gens qui venaient de Bretagne, des gens qui venaient de la Drôme, des gens qui venaient d'Avignon, enfin de Normandie, enfin de vraiment, j'ai fait un tour de France. Et en les défendant à Paris, aussi en me déplaçant, parce que j'ai été amené à défendre des gilets jaunes un peu partout en France. Et ce qu'ils ont décidé de faire à Paris au niveau des juridictions, du tribunal, c'est de sanctionner par exemple les faits les moins graves d'une peine d'emprisonnement sans incarcération immédiate ou d'une peine de prison avec sursis, mais systématiquement ils ajoutaient une interdiction de se rendre à Paris, parfois pendant 1 an, parfois pendant 2 ans, etc. Et donc ça posait une grave difficulté parce que, alors, violence de classe, parce que j'ai vu des procureurs dire à tel gilet jaune qui venait de la Marne, mais monsieur, enfin, pourquoi n'êtes-vous pas resté dans la Marne pour manifester sur votre rond-point? Et donc, quand un procureur dit ça, je vous le rappelle, au nom de la défense de la société, c'est-à-dire en notre nom,
à un citoyen, à nos concitoyens, je trouve que c'est absolument détestable et c'est l'expression d'un mépris que peuvent nourrir certains à l'égard des gilets jaunes. Et je rappelle qu'au même moment, parce que là on était je pense en janvier, nous avocats, nous étions en grève épisodiquement contre un projet de loi et des avocats de toute la France sont montés à Paris pour manifester. Et nous avons en France, bon, je vais pas vous faire l'histoire de France, mais avec le jacobinisme, on sait que quand il y a des manifestations importantes, ça arrive de monter à Paris et d'aller manifester à la capitale. Et en fait, quand un procureur dit « restez dans la Marne pour manifester » et après quand le tribunal interdit aux gens de venir à Paris, c'est une négation de cette tradition républicaine de la manifestation qui consiste à monter à Paris. Voilà ce que j'ai observé là sur les mouvements des Gilets jaunes. Alors maintenant, la question de... Je pense que c'est une question importante, la question de la prison. Parce que il y a eu quelques Gilets jaunes emprisonnés, heureusement trop, mais heureusement pas trop non plus, hein, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas eu non plus tant d'incarcération que ça, mais il y en a eu un certain nombre. Et par exemple, le 1er mai, j'ai défendu avec des confrères un groupe de 5 personnes qui venaient de plusieurs endroits en France, qui s'étaient réunis pour aller manifester à Paris, qui passent la nuit, la veille du 1er mai, au bois de Vincennes, donc à côté de Paris, à boire des coups, puis à camper dans leur voiture pour dormir en attendant la manifestation. Ils sont réveillés vers 7h30 du matin par une brigade de police qui passait par là. On fouille leur voiture et leur van, parce qu'ils avaient deux véhicules, et on trouve des gilets jaunes, un nécessaire de camping, avec une bouteille butagaz, avec des opinels, enfin avec des duvets, etc. Et donc on va venir nous expliquer que ces gens-là avaient l'intention collectivement de préparer des violences. Donc ils sont déférés en comparution immédiate. 3 d'entre eux sont envoyés en détention provisoire, sur la base de rien. Ils ont été arrêtés à 7h du matin, ils n'ont même pas été à la manifestation. 3 d'entre eux étaient en prison, donc c'est pas rien du tout. Et celui que je défendais parmi eux, je suis allé le voir à Fresnes à plusieurs reprises, et c'était très étonnant parce qu'il me disait qu'on lui avait réservé à Fresnes un accueil pas chaleureux, mais presque. Parce qu'en fait, en tant que gilet jaune, il y avait une forme de presque de communauté de classe avec des surveillants qui sont vraiment au bas de l'échelle et de la hiérarchie de la fonction publique, et également avec les autres détenus de droit commun, qui voyaient dans les gilets jaunes aussi quelque chose d'intéressant et qui sentaient bien qu'il y avait une communauté de classe. Donc ils étaient plutôt bien accueillis. Et sur la prison, ces gens-là ont fini par sortir. Lui, il a fait un mois de prison, ses camarades aussi, ils sont sortis, leur procès est renvoyé à... Au mois de mai prochain, on a fait encore des renvois. Mais au moins, ils sont dehors. Et donc, maintenant qu'ils sont dehors, ce sont des gens qui, comme d'autres à Valence et d'autres que je ne connais pas dans toute la France, commencent à parler de la prison. Et je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on sait que dans les années 70, il y avait des Mao qui étaient emprisonnés et qui, en sortant de prison, sont allés faire de la propagande et de la critique du système carcéral. Là, avec les Gilets jaunes, on a un embryon de ça. Donc là, je pense avoir fait un peu un panorama de la répression du mouvement des Gilets jaunes. Peut-être que je peux dire un mot de la question du G7 de Biarritz. Donc en fait, le G7 de Biarritz, ça fait un peu, au niveau du contre-sommet, ça fait un peu pchit parce qu'il y avait un certain nombre de manifestations qui étaient prévues qui n'ont pas pu avoir lieu en raison d'un dispositif policier, mais démesuré. Il y a un juriste, professeur de droit que j'admire beaucoup, qui s'appelle Olivier Kahn, qui a écrit un article sur la question de la répression justement des mouvements protestataires. Et il s'intéresse à l'histoire des dispositifs juridiques mis en place pour réprimer les contre-sommets internationaux. Donc lui, il écrit ça il y a plusieurs années, donc bien avant le G7 de Biarritz et je crois même bien avant le G20 de Hambourg. Mais il écrit ça, il prenait des exemples de Gênes, des viandes, un certain nombre de contre-sommets qui ont eu lieu depuis 10-15 ans. Et lui, ce qu'il observe, et ce sont les termes qu'il emploie, il dit « il y a un dispositif juridique d'exception qui est mis en place lorsqu'il y a des contre-sommets. » Comme si les sommets internationaux devaient avoir lieu indépendamment de la société, de façon complètement déconnectée de la démocratie, c'est-à-dire de vous et moi, et en empêchant au maximum les citoyens de se rassembler. Et à Bayonne, parce que je suis allé à Bayonne à ce moment-là, j'ai pas pu voir à Hendaye et à Biarritz, mais à Bayonne, il y avait un dispositif policier à chaque coin de rue, sur chaque pont. Enfin, c'était mais du délire complet, et donc ça a tué dans l'œuf toute volonté, ou quasiment toute volonté de manifestation. Donc on a eu un certain nombre de gardes à vue,
beaucoup moins que ce qui était prévu, et à mon avis aussi à cause de dispositifs policiers. Et on a eu surtout, avant le sommet du G7, quelques jours avant le sommet du G7, cette affaire des trois Allemands qui ont été arrêtés dans leur voiture. Donc ce sont trois Allemands qui sont dans leur voiture, qui sont sur l'autoroute en direction de l'Espagne, qui entendent rejoindre un camping qui se trouve à peu près à 100 km de Hendaye, c'est-à-dire en Espagne, mais à 100 km de la frontière avec la France. Et en fait, ils vont là-bas, comme ils y avaient déjà été l'année dernière, pour passer leurs vacances. Et voilà, enfin, je sais pas, avec leur bande de copains de Nuremberg, parce qu'ils viennent de Nuremberg, ils passent leurs vacances dans ce camping en Espagne, au Pays Basque Sud, comme on dit là-bas. Et donc ils sont arrêtés, et on va découvrir que deux d'entre eux sont fichés. Ils sont fichés au renseignement allemand. Alors, les Allemands ont fait des fichiers politiques qui sont très critiqués par des parlementaires en Allemagne, etc., en disant que c'est un fichier politique, enfin bon, voilà, qui sont extrêmement détaillés. C'est-à-dire que moi j'ai lu ces fiches, enfin on me les a traduites parce que je parle pas allemand, mais ce sont des fiches qui recensent des renseignements tout à fait, comment dire, folkloriques et policiers, c'est-à-dire c'est des fantasmes policiers sur le fait qu'un tel appartient à l'ultra-gauche qui ne veut strictement rien dire sauf dans l'imaginaire d'un flic. Et on a aussi des informations sur le fait que tel individu a un grain de beauté à tel endroit, ou qu'il parle l'allemand avec tel accent de telle région d'Allemagne. C'est pour vous donner une idée du... Bon, ils ont des compétences, parce qu'ils arrivent à savoir où se trouve le grain de beauté, mais ensuite, pour rentrer dans les idées politiques, bref. Donc deux de ces individus sont effectivement fichés au renseignement allemand. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de la répression du G7, en amont, la France, la police française, a demandé à la police allemande de lui communiquer des informations. Alors, je ne sais pas si ces fichiers utilisés en France, ces fichiers allemands utilisés en France ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et sont parfaitement réglementaires. C'est un sujet à creuser, mais toujours est-il que ça a été utilisé. Et donc là, on a des gendarmes qui arrêtent nos trois Allemands, deux d'entre eux sont fichés, et on nous dit « Ah, mais vous allez, on vous amène au poste ». On vous amène au poste pourquoi ? Pas pour une garde à vue, on vous amène au poste pour vérifier que vous avez le droit de circuler en France. Je vous rappelle qu'on est en Europe, il y a un truc qui s'appelle l'Union Européenne, il y a un truc qui s'appelle Schengen, et la liberté de circulation. Et donc en fait, des gendarmes et un procureur de la République à Bayonne ont de leur propre initiative suspendu la liberté de circulation des citoyens européens et les ont amenés, en utilisant une technique juridique qui s'appelle la retenue, au poste pour vérifier s'ils avaient le droit ou pas d'être en France. Et finalement, au bout de quelques heures, c'est pas du tout l'objet du débat. On va fouiller leur voiture, on va découvrir des affaires de boxe, parce que pendant leurs vacances, ils aiment faire de la boxe. Enfin, il y avait des gants de boxe. Alors, je crois savoir qu'il y a un seul boxeur qui, au cours du monde des Gilets jaunes, s'est illustré dans Christophe Détinger. Il n'a pas utilisé de gants de boxe pour frapper le gendarme ou le policier qui était effectivement victime de sa fougue. Donc on trouve des gants de boxe, des affaires de boxe, on trouve de la littérature, alors je sais pas comment dire, le terme policier, ce serait de la littérature subversive, etc. En gros, il y avait les actes d'un colloque qui s'était tenu en Allemagne, je sais plus trop quand, et qui portait sur la question de l'utilisation de la violence dans l'histoire des mouvements révolutionnaires. Et donc, et ils avaient aussi des stickers, des autocollants, par exemple des autocollants qui faisaient référence à un mouvement qui existe en Allemagne, qui est le mouvement, et qui est très développé sur les universités allemandes, qui consiste à demander à ce que l'État allemand n'investisse pas dans de la recherche publique à des fins militaires. Voilà, donc ils avaient ce type de stickers, évidemment des stickers antifascistes, et on a l'impression que de nos jours, être antifasciste, c'est quasiment, alors que bon, être antifasciste, c'est plutôt un titre de gloire, mais c'est devenu pour beaucoup la preuve de la culpabilité d'un individu. Donc ces trois jeunes gens sont conduits au tribunal, on est trois jours avant le sommet du G7, et donc là, ils vont être envoyés en prison, condamnés à 2 mois et 3 mois de prison, donc deux d'entre eux à 3 mois de prison ferme, et l'un d'entre eux à 2 mois de prison ferme. Et donc, ils sont condamnés, je pense aussi, parce que le G7 allait arriver, et je pense que la justice de Bayonne voulait envoyer un message dissuasif aux autres potentiels manifestants pour leur dire, écoutez, vous risquez de vous retrouver en prison. Voilà. Donc,
Nous avons plaidé avec Ari Halimi et Alice Becker la semaine dernière ce dossier en appel à Pau. Nous attendons la décision qui sera rendue le 17 octobre et nous avons bon espoir qu'il puisse sortir ce jour-là, voire même qu'il soit relaxé, parce que je pense que c'est un dossier qui est absolument inique et qui en fait résume à lui seul toutes les violences judiciaires, les petites infractions à la règle de droit qui ont été commises dans le cadre de la répression du mouvement des Gilets jaunes. Avec toutes les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, celle du groupement en vue d'eux, celle des réquisitions qui nous viennent des attentats du 11 septembre, enfin, c'est un condensé, on pourrait en faire un cas d'école, donner à des étudiants pour étudier ça. Voilà, donc on attend de délibérer sur ce dossier. Je pense avoir fait un peu le tour du domaine de la répression judiciaire. Je ne sais pas si... Oui, je veux peut-être juste ajouter quelques mots par rapport à Montpellier. Après, peut-être tu reviendras pour présenter ton bouquin, puis après, il y aura le débat dans la salle. Oui, donc justement, Raphaël faisait écho au G7. Il faut savoir qu'au G7, donc, il y avait donc trois observatrices de la Ligue des droits de l'homme qui étaient présentes. Donc deux qui sont ici aujourd'hui, et donc sur ces trois observatrices, alors qu'il n'y avait même pas de manifestation au moment où elles étaient à l'intérieur du vieux Bayonne, et ça montre en même temps la façon dont se comportent les forces de l'ordre. D'abord les gendarmes, ils les ont laissés passer, et ensuite les policiers qui là, ils ont fouillé, je crois, hein, et de toute façon, ils ont mis en garde à vue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elles restent en garde à vue, et elles ressortent avec un rappel à la loi. Un rappel à la loi, ça évite effectivement le tribunal, mais normalement, on vous met un rappel à la loi lorsque une infraction a vraiment été établie et qu'on estime quand même qu'elle est bénigne, et donc on vous fait seulement un rappel à la loi. Donc il n'y a pas, au niveau du fichage, une conséquence directe, mais si dans les 5 ans qui suivent, vous faites quelque chose, ça va ressortir. Or là, elle contestait, elle n'avait rien de particulier, et donc le rappel à la loi a été fondé sur une infraction qu'elle niait avoir commise. Et actuellement, ce rappel à la loi, on ne peut pas en faire appel. Donc au niveau des juristes, il y a effectivement de creuser à ce niveau-là, parce que ce que disait Raphaël tout à l'heure par rapport à cette procédure, c'est un véritable détournement de procédure. C'est donc un moyen d'essayer de coincer les gens et effectivement d'empêcher les gens d'exercer leurs droits. Et à partir de là, ça rejoint ce qui a été fait à Montpellier au niveau de la répression judiciaire. J'ai seulement qu'un complément de Raphaël. Nous avons donc documenté à Montpellier en tant que guide des droits de l'homme, en fait, 4 rapports. Un premier rapport d'abord sur les manifestations du mois de janvier, notamment, vous savez, celle où il y a eu des tirs du LBD, et à la suite de laquelle nous avons saisi d'abord le tribunal administratif, puis le Conseil d'État, parce que nous demandions à l'époque l'interdiction du LBD. Le Conseil d'État ne nous a pas suivi sur ce point, mais il a dit clairement qu'à Montpellier, il y avait eu des violences disproportionnées de la part des forces de police. C'est écrit noir sur blanc. Ensuite, un second rapport sur les observateurs de la Ligue des droits de l'homme, ça date d'hier déjà, au mois de janvier, février et mars. Il y a donc eu 8 de nos observateurs qui, à divers degrés, soit ont été violentés, soit ont été fouillés sans raison. Et c'est à partir de là que, justement, ensuite, on a fait la même chose par rapport aux photographes et vidéastes, la même circonstance, et ensuite, le rapport sur la pression judiciaire. Mais c'est parce qu'on avait justement documenté un certain nombre de violences inadmissibles après les policiers, que comme par hasard, effectivement, que Camille Allu, entre autres, a été ciblée, et au départ a fait l'objet donc d'injures publiques pour lesquelles on a déposé plainte. Le dossier est toujours en cours. Et comme par hasard, le mois suivant, effectivement, il y a eu ce problème d'entrave à la circulation. Donc, on a vraiment été ciblé par rapport à ça. Là-dessus, donc, rapport sur la pression judiciaire, parce que dans le cadre de la législative de Montpellier, nous avons à la fois une équipe sur le terrain pour vérifier ce qui se passe. On a également une équipe qui est présente aux audiences de commission immédiate, d'abord pour tenter d'aider les personnes qui sont présentes à avoir des moyens de représentation pour justement éviter ce que disait Raphaël. Et lorsqu'on demande un délai pour sa défense, si on a des moyens de représentation et qu'on a un casier judiciaire vierge, on peut obtenir un délai sans la case, on peut dire, prison. Donc autrement, on vous maintient en détention avant d'être jugé. Donc cette équipe, qui est très active, fait donc, suit les audiences en question, et nous avons documenté donc un rapport sur la raison judiciaire fin juin, contenant 46 affaires. Et depuis le mois de juin, ça continue,
36 sont venus se rajouter depuis. Je n'insisterai pas pour le reste, Raphaël a très bien expliqué comment ça se passait dans les peines de prison. J'insisterai juste sur un point, qui est que, et pas qu'à Montpellier, mais à Montpellier c'est encore plus qu'ailleurs, quasi systématiquement, le procureur requérait une peine complémentaire qui est l'interdiction de manifester ou l'interdiction de séjour. Et actuellement, il faut savoir que ces peines, qui étaient à peu près de 6 mois en général, 6 mois d'interdiction de manifester, ou sinon 6 mois d'interdiction sur Montpellier. Et bien là, on a documenté deux cas où c'est passé à 1 an et pour toute l'Occitanie. Pour vous montrer, et en même temps, il y a eu un jugement où ça, on va parler de la décision, où 4 gilets jaunes qui avaient été déférés ont dit « Moi, je n'irai plus manifester ». Donc c'est exactement ce qui était prévu. Hein, c'est de dissuader les gens, on fait peur aux gens, et on leur met des sourcils en disant « Attention, la fameuse loi scélérate dont vous a parlé Raphaël, l'accoupement en vue d'eux, parce que si on vous reprend notre manifestation avec ça, récidive au trou. » Donc, c'est un moyen qui est fait pour empêcher que la liberté de manifester puisse s'exprimer. Alors, médiane nécessité, elle est bien sûr prévue dans les textes à la fois français et européens, et surtout, derrière, c'est la liberté d'opinion et la liberté d'expression qui est mise en cause. Donc c'est pour ça que de ce côté-là, nous continuerons notre combat à ce niveau-là. On sera présent, et on essaie d'être présent à tous les stades, c'est-à-dire pendant la manifestation, sur les côtés pour ce qui se passe, mais suivre les dossiers pour aider les gens. Et dans le communiqué qu'on a pris ce matin, on a rappelé que, alors que Camille et d'autres sont poursuivis très vite sur la base d'éléments, soi-disant, qu'on leur reproche, les victimes des violences policières, on a documenté un certain nombre de violences policières, on a déposé des dossiers avec elles auprès des GPN comme au niveau du parquet, on est maintenant au mois de septembre, octobre même maintenant, aucune plainte n'a pour le moment été suivie des faits. Il y a donc bien vraiment deux poids, deux mesures, on en a la preuve, la flagrance. Je te repasse la parole pour ton bouquin. Une histoire de l'usage politique par le pouvoir de l'interdiction de séjour contre des militants. Alors on le voit dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu en 2016 avec des interdictions de manifester qui étaient maquillées en interdiction de séjour au nom de l'état d'urgence contre des manifestants à Paris. On l'a vu autour, et on le voit encore aujourd'hui, autour du combat qui est mené à Bure, dans la Meuse, sur le centre d'enfouissement de... Merci beaucoup. De déchets nucléaires, où des manifestants, des militants sont interdits de séjour dans la Meuse et la Haute-Marne, et qui donc les privent de toute possibilité concrète d'exercer leur activité politique. Et en fait, historiquement, on voit, j'ai découvert récemment l'histoire de Benoît Brouchou, qui était un anarcho-syndicaliste à la toute fin du 19e siècle, voilà, du nord de la France, notamment à Lille, et qui était un organisateur politique auprès des mineurs, etc. Et il faisait systématiquement l'objet de poursuites, d'interdiction de séjour, etc., etc. Donc il y a une histoire politique de l'interdiction de séjour. Ceci étant dit, alors le bouquin, il parle des lois scélérates. Pourquoi j'ai fait ce bouquin? Parce que il y a quelques années, j'étais amené à défendre quelqu'un à Toulouse qui était reproché d'avoir publié un article qui, en gros, appelait à l'insurrection. Et donc, ce qu'on lui reprochait, c'était un délit de parole, un délit, alors délit d'opinion. Moi, je dis délit d'opinion, mais c'est pas comme ça dans la loi, mais c'est un délit lié à l'usage de la liberté d'expression. Et je me suis rendu compte que le délit sur lequel il était poursuivi était quasiment le même qu'un vieux délit qui avait été inventé par les lois scélérates à la toute fin du 19e siècle. Les lois scélérates, ce sont 3 lois qui ont été adoptées en 1893 et 1894 pour réprimer les anarchistes au moment où les anarchistes commettaient des attentats à l'encontre de magistrats. Alors ça, c'est Ravachol qui va attaquer des magistrats pour des décisions qu'ils avaient rendues, qu'ils considéraient comme étant iniques, injustes en tout cas. Des attentats contre la représentation nationale, c'est-à-dire le Parlement, enfin le Palais Bourbon à Paris. Un attentat contre le président de la République, Sadi Carnot, qui est tué par l'anarchiste Caserio à Lyon en juin 1894. En réponse à ces attentats anarchistes, vont être adoptées des lois scélérates. Et ces lois scélérates vont être désignées comme telles, non pas par le pouvoir qui les adopte, mais par, évidemment, ceux qui les dénoncent. Et ces lois-là, ce sont des lois qui visent non pas le geste, non pas le fait d'attaquer le président, le fait de jeter une bombe ou d'attaquer un magistrat, ce sont des lois qui vont punir la parole ou l'organisation politique. Et en fait, au nom du geste,
qui est commis, au nom de l'attentat, on réprime la parole, la liberté d'expression. Donc ces lois, elles passent en 93-94, et je découvre un peu par hasard, il y a quelques années, avec le site internet de la BNF, Gallica, des articles qui ont été publiés 5 ans après, en 98-99, dans une revue qui s'appelait la Revue Blanche, et qui est une revue qui a existé pendant une quinzaine d'années, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui est une revue formidable, parce que c'est une revue d'avant-garde littéraire, politique, artistique, et qui publiait des noms, enfin je sais pas, Valoton, enfin des gens comme ça, Octave Mirbeau, Peggy, enfin un certain nombre d'auteurs, Mallarmé, d'auteurs qui sont devenus grands par la suite ont été publiés dans cette revue, qui était une revue avec des tendances anarchistes, mais qui avait des moyens aussi, parce qu'elle était la propriété de banquiers anarchistes. J'ai fait un peu rapide, d'héritiers de banquiers, d'héritiers anarchistes d'un banquier. On peut dire ça comme ça. Trois frères d'intention. Voilà. Et donc, en fait, il y avait un peu de moyens, et c'était une revue c'est une très très belle revue. Et cette revue va décider de s'engager politiquement en défense des anarchistes, sous l'impulsion d'un type que je trouve formidable et tellement attachant, qui s'appelle Félix Fénéon, qui était un dandy anarchiste, qui exposait en ce moment à Paris, au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, et à l'Orangerie, parce qu'il a été un découvreur, notamment des arts lointains, enfin, un des premiers à avoir pensé cette question-là. Mais bon, bref, c'est un anarchiste qui est victime des lois scélérates et qui va être emprisonné en application des lois scélérates, qui va finir par être acquitté par la cour d'assises au fameux procès des 30 en août 1894, et il va prendre la direction de la Revue Blanche. Et quelques années après, il va réunir des gens qui viennent d'horizons très différents. Donc Léon Blum à l'époque, c'est un jeune écrivain qui est en même temps haut magistrat, enfin qui vient d'intégrer le Conseil d'État comme magistrat, donc c'est un poste très très important, voilà, mais qui est tout jeune. Et il va réunir Léon Blum, il va réunir un journaliste qui s'appelle Francis de Pressensé, donc qui deviendra président de la Ligue des droits de l'homme, et qui était plutôt un journaliste légitimiste, et qui va se radicaliser à la faveur de l'affaire Dreyfus, et qui va prendre le parti du capitaine Dreyfus, et en prenant le parti du capitaine Dreyfus, il va aussi se mettre à faire une campagne pour les anarchistes, qui étaient, comme le capitaine Dreyfus, au bagne, en application des lois scélérates. Il va réunir donc Léon Blum, Francis de Pressensé et Émile Pouget, donc un anarchiste bien connu, qui deviendra syndicaliste, enfin qui est extrêmement important dans l'histoire syndicale française, et anarchiste aussi. Et il va réunir ces trois individus qui sont d'horizons politiques très différents, il va les réunir pour écrire des articles contre les lois scélérates. Et ces articles-là, quand je les ai lus en préparant mon procès il y a 5 ans, je me suis dit, mais c'est fou, parce que en lisant ces articles aujourd'hui, j'ai l'impression que ça parle de ce qu'on vit aujourd'hui. Avec, alors il y a une actualisation à faire évidemment, mais je me suis dit, on trouve dedans des arguments, on trouve dedans un style aussi d'écriture qui sont formidables et qu'on peut utiliser aujourd'hui, nous, pour critiquer nos lois scélérates à nous. Donc en fait, il y a un an, avant les Gilets jaunes, je rencontre une éditrice, on discute ensemble et moi je lui dis, j'aimerais bien rééditer ce truc-là. Elle me dit très bien, mais elle me dit, mais tu vas écrire quelque chose avant. J'avais pas prévu d'écrire quelque chose, en fait. J'avais juste prévu de proposer ça, de faire une petite préface et de mettre des notes de bas de page pour que ce soit lisible et que les gens puissent relier ces articles. Mais elle a fait son boulot d'éditrice et elle m'a dit... elle m'a obligé à écrire et à dire pourquoi il fallait relire ces articles. Donc voilà, ce que je présente dans ce bouquin, c'est les quatre articles en question et une mise en perspective et les raisons pour lesquelles il faut les relier aujourd'hui et pourquoi on a, nous aussi, aujourd'hui, des lois scélérates. J'aurais voulu que vous disiez un peu ce qui se passe au niveau de la répression des journalistes indépendants qui filment les manifestations, puisqu'ils sont aussi partout en France réprimés. Et entre autres, Gaspard Lanz, qui hier s'est fait arrêter deux fois sur la manif du syndicat Alliance, soi-disant, enfin j'ai entendu, sur demande du syndicat Alliance. Alors, effectivement, on a constaté un certain nombre de cas où des journalistes indépendants ont été ciblés, soit se voyaient empêchés d'accéder aux manifestations, soit étaient parfois placés en garde à vue, soit étaient confisqués leur matériel. Enfin, il y a eu tout un tas de petits actes comme ça de la police qui visaient à empêcher certains journalistes indépendants de faire leur métier.
Alors Gaspard Glanz, effectivement, il a une histoire judiciaire un peu fournie. Au mois d'avril dernier, effectivement, suite à une algarade un peu poussée avec un policier, il va lui faire, par geste de réflexe, un doigt d'honneur. Alors évidemment, il ne faut pas faire de doigt d'honneur au policier, en application du code pénal. Hein. Je ne fais que répéter la loi. Mais bref, ce geste, en tout cas, peut s'expliquer par un contexte un peu particulier. Et en fait, la répression, la réponse va être disproportionnée s'agissant de Gaspard Glanz, dans le sens où il va être placé en garde à vue, alors que pour un simple doigt d'honneur, il n'y avait pas besoin d'une garde à vue. C'est légalement possible à ce stade, mais ça apparaît disproportionné. Sa garde à vue va être prolongée, ce qui là aussi apparaît inutile et disproportionné. Il va être conduit au tribunal, déféré, comme j'ai dit tout à l'heure, et le procureur va demander son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Paris, et donc interdiction de fait d'exercer son métier. Heureusement, une semaine plus tard, un juge indépendant en a décidé autrement et a levé le contrôle judiciaire de Gaspard Glanz. Hier, effectivement, il allait à Paris couvrir la manifestation des policiers, comme c'est son droit et son métier. Et alors, il a été pris à partie. Je ne peux pas trop en dire pour l'instant, parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, dans le sens où le procureur de la République n'a pas répondu à ce qu'on lui demandait sur les raisons pour lesquelles il a été privé de liberté. Il aurait fait l'objet d'une fiche ou d'un jugement à notifier, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore accès au dossier, on le saura probablement plus tard. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que, par exemple, en mars dernier, donc avant même l'affaire du doigt d'honneur, Gaspard Glanz a fait l'objet d'une privation de liberté pendant une heure parce qu'il apparaissait toujours comme étant positif dans un fichier qui s'appelle le SPR, qui est le fichier des personnes recherchées et qui recense un certain nombre d'informations, et notamment les informations relatives au contrôle judiciaire. Alors le contrôle judiciaire, c'est quoi? C'est des obligations qui vous sont imposées par la justice dans l'attente de votre procès. Par exemple, c'est le fait justement d'être dans l'attente de votre procès interdit de vous rendre à tel endroit ou d'avoir l'obligation de pointer chaque semaine au commissariat. Et en fait, il avait ce contrôle judiciaire depuis une affaire qu'il avait eue à Boulogne-sur-Mer dans le cadre des problèmes autour de Calais. Et il avait été poursuivi, enfin bon, il a été condamné à une peine de 500 euros d'amende, me semble-t-il, sur une affaire complètement anecdotique. Et toujours est-il que dans cette affaire, pendant quelques mois, il a eu un contrôle judiciaire avec obligation de pointage au commissariat de Strasbourg. Et cette affaire a été jugée il y a plus de 2 ans, en 2017. Et quand une affaire est jugée, il n'y a plus de contrôle judiciaire. Donc en fait, normalement, il ne doit plus apparaître comme positif dans ce fichier. En fait, il l'était toujours. Et en fait, ça, c'est une réalité d'un certain nombre de justiciables, hein, pas que journalistes, ça arrive tous les jours que dès qu'il y a un mois après leur jugement, et alors qu'il n'y a plus de contrôle judiciaire, soient embêtés par la police qui va voir qu'ils sont dans les fichiers. Donc en fait, il faut faire vraiment gaffe à la question des fichiers, parce qu'il y a un problème de mise à jour. On n'efface pas les fiches quand on le devrait, et donc on se retrouve avec des situations où des citoyens sont privés de leur liberté parce que des fichiers sont pas mis à jour. Je voulais parler de la réflexion pécuniaire également de tous ces individus qui prennent des amendes. Donc ça ne va pas jusqu'au tribunal, mais c'est aussi quelque chose qui les impacte, effectivement, puisque comme nous ne sommes que des petites gens, 135 plus 135 plus 135, ça fait beaucoup. Oui, alors là, par contre, j'ai moins de matière pour la simple et bonne raison qu'en général, quand il y a une situation comme ça, ils vont pas voir l'avocat pour essayer de contester ces contraventions-là. Donc effectivement, mais c'est une réalité. Par contre, moi, ce que j'ai observé, c'est que sur les procès en correctionnel où il y a un risque de prison ou d'amende plus important ou de dommages à intérêt à l'égard des policiers présumés victimes, il y a quand même des mécanismes de solidarité qui se mettent en place. Et c'est tout à fait fascinant de voir que, à travers la question de la réponse à la répression, il y a une politisation qui se crée. C'est-à-dire que moi, je sais que à Périgueux, par exemple, des gilets jaunes ont tenu le rond-point plus longtemps que ce qui était prévu parce qu'ils devaient faire le chapeau pour payer mes honoraires. Bon. qui n'était pas très élevé, mais il fallait quand même que je me déplace et que je fasse mon travail. Donc en fait, le fait de s'organiser face à la répression pour essayer de récolter des fonds est aussi quelque chose qui crée de la solidarité et qui crée de la politique. Bon, je ne demande pas à ce qu'il y ait de la répression à tout va, hein, que les choses soient claires. Mais voilà, c'est l'observation que je fais qui ne répond pas exactement à votre question, je sais bien, mais ça permet de rebondir. Oui, là disons qu'il y a aussi une astuce par rapport aux amendes, c'est qu'ensuite, une fois que vous êtes condamné définitivement et que vous devez payer, bien, selon vos revenus, il faut savoir qu'on ne peut pas vous saisir automatiquement. Hein, selon vous. Par conséquent, vous pouvez très bien, dans certains cas, si, enfin, je veux dire, malheureusement quelque part, hein,
vos revenus sont faibles, et bien à ce moment-là, en matière de justice, à ce moment-là, on va essayer de saisir soit vos salaires, soit vos indemnités, etc. Mais si vous avez un revenu de mémoire qui est inférieur à 800 euros par mois, on ne peut pas vous saisir. Par conséquent, selon vos revenus, pensez-y, parce qu'à ce moment-là, de toute façon, vous n'êtes pas saisissable. Donc c'est un peu l'envers de la médaille, c'est-à-dire effectivement, le revenu est assez bas, mais la contestation de la norme fait qu'à l'arrivée, vous ne payerez pas parce que vous êtes exonéré vu vos très bas revenus. Oui, mais j'ai deux questions pour parler des fichiers. Est-ce que il y a eu un développement des fichiers S, par exemple? Et la deuxième question, est-ce que vous avez des choses à me dire sur l'histoire du homard aussi à Nantes? Parce que il semble avoir vu le terme d'association d'acteurs pour est-ce que c'est resté ça et qu'est-ce qu'on peut en dire aussi Alors, je vais répondre à la deuxième question, et la réponse est très simple, c'est je ne connais pas le dossier. Désolé, mais c'est des formations professionnelles, je préfère parler des dossiers que je connais. Sur la question des fichiers, je connais un peu mieux, même si c'est difficile, parce que les fichiers, par définition, on ne nous les donne pas, et elles sont censées ne pas être visibles. Donc en fait, il faut revenir à la loi renseignement de 2015, qui a créé un dispositif juridictionnel pour qu'un citoyen sache s'il est fiché S et qu'il en demande au Conseil d'État, en l'occurrence, l'effacement. Le problème, c'est quoi? C'est que la procédure qui a été créée à ce moment-là est une procédure qui, alors en termes pudiques, en termes légaux, c'est un contradictoire aménagé. Très concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas de contradictoire. Le contradictoire, pour ceux qui ne sont pas juristes, c'est le principe qu'un juge ne peut prendre sa décision que sur la base de pièces qui ont été communiquées aux deux parties, à l'accusation et à la défense, au ministère intérieur et à l'avocat de la personne soi-disant fichée S. Et donc là, cette procédure a institué des juges, genre habilités secret défense, qui ont accès à des informations pour juger une affaire dans laquelle on intervient, que moi, comme avocat, je n'ai pas. Et pour donner un exemple très concret, parce que Gaspard Glanz est fiché S, il le sait pourquoi? Parce qu'un policier au commissariat de Calais, un jour où il était en garde à vue, a vu, en consultant le fameux fichier FPR dont j'ai parlé tout à l'heure, qui contient également la fiche S, il a consulté ce fichier, il a vu qu'il était fiché S, il a imprimé sa fiche S. Ce qui était de la part de ce policier une erreur monumentale, parce que le principe de la fiche S, c'est qu'elle ne doit pas être connue de l'intéressé. Parce que la fiche S, je rappelle que contrairement à ce qu'on peut entendre, une fiche S n'est pas une déclaration, même pas de soupçon, ni même de culpabilité. Une fiche S, c'est uniquement un renseignement d'un policier sur vous. Un renseignement qu'il a recueilli tout seul, sans demander son avis à personne, et surtout pas à la personne concernée. En fait, c'est un renseignement non contradictoire. Je dis ça parce que il m'est arrivé dans des affaires, on va dire, islamistes, de défendre des gens qui étaient fichés S. Enfin, j'ai défendu un entraîneur de football dans une ville de banlieue parisienne, et il est sorti dans la presse qu'il était fiché S. Donc c'est la presse de droite qui a sorti cette information-là. Et donc ça a fait la une des journaux pendant une demi-journée. Et moi, les journalistes venaient voir et me disaient « Mais maître, est-ce qu'on peut être fiché S et entraîneur de football ?» Et alors, expliquer en 20 secondes au journal de 20h de TF1 qu'en fait, une fiche S, c'est pas du tout une déclaration de culpabilité, c'est quasiment mission impossible. Enfin, c'est mission impossible, d'ailleurs, j'ai pas réussi. Vu les insultes et les menaces que j'ai prises après ce passage à la télévision où j'étais assimilé aux personnes à la personne, en l'occurrence, que je défendais. Mais en l'occurrence, une fiche S, cette personne n'était coupable de rien du tout. C'était juste un policier qui avait nourri ce soupçon-là à son égard. Donc Gaspard Glanz, lui, voit sa fiche S, elle est imprimée dans le dossier. On décide de la contester en utilisant cette procédure non contradictoire devant le Conseil d'État. Et on s'est dit, là, ça va changer. Là, il va y avoir quelque chose, parce que vu que nous, on a la fiche S, ils ne peuvent pas nous dire, on ne peut pas vous dire si vous êtes fiché ou pas fiché. Parce que si vous... Si Jean-Jacques, qui est peut-être fiché S, je ne sais pas, demande au Conseil d'État s'il est fiché S, le Conseil d'État va lui dire « on ne peut pas vous dire, vous êtes peut-être fiché, vous n'êtes peut-être pas fiché, mais on ne va pas vous dire ». Et donc en fait, là, avec Gaspard Glanz, on s'est dit « ben, le Conseil d'État ne pourra pas nous répondre ça, parce que nous l'avons la fiche ». On leur a dit « donc maintenant que nous on a la fiche, on fait un débat, on fait un vrai débat contradictoire, dites-nous pourquoi vous avez pris cette fiche, et maintenant vous l'effacez ». Et ils ont dit non. Mais c'est-à-dire que très concrètement, l'audience, elle se déroule comment? C'est on laisse son portable à l'entrée de la salle d'audience. On rentre dans la salle d'audience, on commence un débat, moi je parle, Gaspard il parle, les juges nous écoutent, puis là ils nous disent « bon ben maître, monsieur Glanz, sortez de la salle ». Et en fait l'audience elle continue sans nous.
entre le ministère de l'Intérieur, la CNIL, le rapporteur public qui est un magistrat du Conseil d'État qui fait un résumé de l'affaire, et les magistrats du Conseil d'État. Et donc, un mois après, on reçoit une décision du Conseil d'État qui nous dit « Monsieur Blanc, on ne peut pas vous dire si vous êtes fiché S ou pas. » Donc oui, non, mais en fait, le problème de la fiche S, on a découvert que certains lycéens du lycée Arago, vous savez, cette affaire en mai 2018, certains d'entre eux avaient été fichés S. Il y a eu des indiscrétions policières, hein, c'est évidemment pas moi qui ai accès aux fichiers, et qui ont été... qu'on a pu lire dans la presse. Et effectivement, ces fichesses, on peut quasiment rien faire. Mais le problème, c'est que si la fichesse continuait à être totalement inconnue et à être juste un outil à l'usage des policiers, d'une certaine manière, et que ça n'avait aucune conséquence sur les gens, d'une certaine manière, bon tact. Mais le problème, c'est que là, c'est tellement connoté publiquement, comme fichesse égale dangereux, égale terroriste, égale islamiste, égale ultra-gauche, etc., que ça complexifie la vie des personnes qui en sont l'objet, et lorsqu'on sait qu'ils en sont l'objet. Oui. Je voudrais faire juste on se rend compte là depuis quelques semaines que, qu'avec le tribunal, les plaintes des policiers sont portées maintenant non plus sur l'insulte, mais sur la violence. La question, est-ce qu'ailleurs ça se passe pareil? Est-ce que leur demande d'indemnité est supérieure, on se rend compte, quand ils ont été victimes de violence par rapport à l'insulte? Donc on est en train de tourner comme ça. Ça se passe pareil ailleurs D'accord, ok. Alors moi, je ne peux pas faire, je ne peux pas confirmer, au regard de ce que j'ai pu voir, votre observation. C'est-à-dire que vous l'avez observé, je l'apprends. Et moi, je ne peux pas confirmer ça, dans le sens où je vois depuis plusieurs années les délits d'outrage et de violence être utilisés par les policiers pour se plaindre de quelque chose. Et ensuite, la question des dommages et intérêts va dépendre aussi de la nature du dossier, du niveau de violence et des blessures qui ont été subies par le policier. Donc il va y avoir un débat là-dessus. Il y a 4 ou 5 ans, le journal en ligne Street Press avait fait un article assez fouillé sur cette question-là, que je vous invite à lire, parce que Street Press, d'ailleurs, ils ont besoin d'argent, je fais de la pub, mais... Non, mais c'est un média en ligne indépendant, et voilà, comme tous les médias en ligne indépendants, ils galèrent un peu, donc là, ils demandent des sous. Mais il y a 4 ou 5 ans, ils avaient publié un article très fouillé sur la manière dont les policiers utilisaient à outrance ce délit d'outrage et rébellion pour demander des dommages et intérêts. Il disait, mais certains dans la police se font un 13e mois avec ces dommages et intérêts. Voilà. Oui, alors ça, c'est ce que je vais appeler, à titre personnel, des méta-délits. C'est-à-dire que c'est des délits qui font suite aux délits qui justifient l'arrestation. C'est-à-dire que, par exemple, une personne est arrêtée pour rien du tout, je sais pas, genre des violences qui n'en sont pas. Elle va être conduite au commissariat. Et là, on va la provoquer, elle va faire un outrage, elle va faire une rébellion. Elle va taper un truc, alors on va l'accuser de dégradation de la cellule du commissariat, elle va refuser de donner son ADN, elle va refuser de donner ses empreintes ou le code PIN de son téléphone. Donc en fait, finalement, ce qui avait motivé l'arrestation, ça tient pas la route, mais on va la poursuivre pour ce qui s'est passé après, le méta-délit. Dans votre corps intérieur, comment ça va se terminer? La finalité de quoi? La finalité, c'est le mouvement. Ça va pas durer à vitam et à Donc comment vous imaginez, même en tant qu'humain, si vous voulez. Mais moi ce soir je suis invité comme avocat. Comme avocat, si vous voulez. Dans mes dossiers, ouais, mais. Comment vous je sais pas, moi, j'aime pas faire ça parce que moi je suis habitué à parler sur la base des dossiers que je vois et des situations que j'ai à défendre. Ce que je vois, c'est qu'il y a une radicalisation au niveau du pouvoir. Ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'ils vont toujours plus loin dans les modalités de répression judiciaire, dans les modalités de violence policière, etc. Donc tous les jours, on invente des dispositifs qui vont encore plus limiter les droits des citoyens. Donc je pense qu'évidemment, ça crée de la colère et du ressentiment, colère qui est parfaitement légitime à mon avis. Ensuite, vous dire ce que ça va donner très concrètement, ça, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à ces questions, mais je crois savoir que sur les Gilets jaunes, il y a plein de sociologues qui ont travaillé là-dessus de façon très poussée, enfin voilà. Désolé, hein. Oui, donc, je vous ai écouté au début, je lirai votre livre avec intérêt. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, justement, en temps de crise,
la justice est toujours au service de la police, elle-même au service de l'État, répresseur. Ah. Non, non, mais alors... c'est Michel Foucault qui disait que la justice est au service de la police, et pas l'inverse. Parce qu'en fait, le système judiciaire fonctionne en théorie avec l'idée que la police travaille pour donner à la justice des éléments qui lui permettent de condamner ou de relaxer un individu, etc. Et en fait, Michel Foucault, il dit, c'est le contraire qui se passe. La justice au service de la police, ça veut dire que la justice va valider des pratiques policières en ne relaxant pas des individus ou en condamnant. C'est-à-dire que lorsque, comme je disais tout à l'heure, un tribunal va condamner un individu pour des violences sur la seule foi d'une fiche recto avec des cases qui sont cochées, de ce point de vue-là, la justice valide cette pratique policière. Donc elle est au service de la justice. Alors, est-ce que c'est comme ça en temps de crise ou pas en temps de crise? Je sais pas, il faudrait définir ce que ça veut dire le temps de crise. Enfin, c'est, encore une fois, moi, ça dépasse mes petites compétences très techniques de juriste. Mais oui, on voit très concrètement que là, la justice est, comme je dis tout à l'heure avec la phrase de Laurent Nunez, utilisée par le pouvoir à des fins de maintien de l'ordre, à des fins de répression qui ne sont pas les fins qui sont assignées par le code de procédure pénale à l'institution judiciaire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, non. Juste, effectivement, il y a une volonté d'instrumentaliser la justice. Mais justement, dans l'affaire qui a été jugée ce matin de Camille Allu, le juge a bien dit clairement, d'ailleurs, maintenant on va attendre d'avoir le jugement lui-même pour voir comment il est vraiment motivé entièrement, mais qu'il y avait eu une manipulation de la part de la police pour la poursuivre. Et le juge, là, il n'est pas rentré dans le piège. Mais pour un juge comme ça, ou comme dans l'affaire des portraits de Macron à Lyon, la plupart acceptent. Parce que pour eux, effectivement, la police nourrit, si on peut dire, l'appareil judiciaire. Et s'ils se mettent à dos la police, et vous avez pu voir un petit peu la façon dont la manifestation de police était hier, en disant, mais attention, nous, on va continuer comme ça, on ne fera plus rien. Au sous-entendu, si on ne fait plus rien, ça va être le chaos, hein, tout le monde fera ce qu'il voudra, et nous... Donc, il y a une pression sur la justice qui est évidente de cette part-là. Et là, il faut faire attention à ce risque de manipulation, qui n'est pas automatique, bien évidemment. Mais il faut vraiment l'avoir, disons, présent à l'esprit. Et là, c'est pour ça que, dans les situations actuelles, eh bien, il faut être d'autant plus vigilant. Et je pense, malgré tout, que le fait, pas que la Ligue des droits de l'homme, mais que l'association soit présente sur le terrain, vérifie ce qui se passe et agisse, peut, dans certains cas, faire en sorte que, au moins momentanément, les choses se calment pour aller autrement. Et c'est pour ça que, à Montpellier, par exemple, on a documenté qu'après le rapport qu'on avait fait au mois de janvier sur les LBD, et pendant au moins 4 mois, jusqu'au mois de juin, ça a recommencé. Et pendant 4 mois, effectivement, on avait dit à Montpellier, stop. Donc, après, c'est le mouvement général, hein, tout dépend de comment ça se passe. Mais malgré tout, je pense qu'on a une certaine action. C'est pour ça qu'il est important de continuer à rester mobilisé, parce que plus on est mobilisé, plus on est présent, et plus on fait valoir ses droits, et plus ils seront, à ce moment-là, respectés. Oui, un peu dans la poursuite de ce qui vient de se dire. Vous dites que vous êtes juriste, donc en fait, vous ne commencez pas vraiment sur les aspects politiques ou philosophiques des choses. Ça serait intéressant de rebondir par rapport au cas du KFECL, parce que ce que vous racontez sur les OSCR de 1893 et 1894, finalement, ça rappelle aussi ce que Fessel a raconté sur 1938 et 2018, en faisant les rapprochements. Et là, on est bien effectivement dans des aspects de crise. Bon, 1938, c'est quand même une année charnière importante. Et donc, son analyse, qui lui, Fessel est un philosophe, donc il analyse, enfin, il a fait un gros travail historique et aussi juridique sur les choses. Ça serait intéressant que vous ayez. Je ne sais pas si vous avez eu des dialogues ensemble sur ces questions-là, pour voir un peu comment l'histoire finalement rebondit. De crise en crise, je ne sais pas si on peut dire de crise en crise. Parce que là, on n'est pas en fait de crise. Vous avez aussi signalé, je pense que ça c'est important, c'est que c'est la bascule en fait s'est faite sous Vaillant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la gauche a expliqué qu'elle pouvait être aussi répressive que la droite, on était foutu à partir de ce moment-là. Donc en gros, ça fait 20 ans qu'aujourd'hui on est dans ce système-là. De lois de plus en plus répressives, effectivement. Et donc malgré de temps en temps des petits soubresauts, on va dire gentil de la part de juges comme ce matin, on a quand même affaire effectivement à un durcissement systématique de la loi
Et donc on a progressivement l'État policier et un État violent. J'ai pas lu le bouquin de Fossel, hein. J'ai envie de le lire, mais j'ai pas eu le temps. Ça viendra. Je sens bien qu'on me pose la question des perspectives. Dans le bouquin, je dis une chose, c'est-à-dire que j'ai pas d'analyse politique au sens où je suis pas un politologue, etc. Mais par contre, j'ai d'une certaine manière, pas un programme, c'est bien de dire, mais des perspectives politiques dans le sens où je demande, et j'aimerais que le mouvement social demande l'abrogation des lois scélérates. Alors ensuite, quelles sont les lois scélérates ? Elles sont à définir. Je vous ai donné deux exemples contemporains sur le mouvement et sur les réquisitions du procureur, enfin contrôle d'identité, etc. Voilà, je pense que le mouvement social doit se saisir de cette possibilité qui est de demander politiquement l'abrogation de certaines lois. Et le pendant de ça, c'est évidemment dans le cadre de d'une revendication politique de demander l'amnistie des personnes qui sont condamnées. Donc je pense qu'effectivement, un mouvement social et politique dans la période actuelle doit pouvoir se saisir de ces questions-là. Et je pense que demander l'abrogation de certaines lois, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, parce que le mouvement social sur la question des libertés est toujours un mouvement malheureusement défensif. Dans le sens où on va se battre, on va se réunir, on va faire des manifs au moment où une loi est en cours d'adoption, où elle est en discussion, elle va être adoptée au moment de la loi renseignement, pendant l'état d'urgence et ses multiples modifications et son entrée dans le droit commun. On a fait des réunions, des manifs contre ces lois-là, etc. Mais une fois qu'elles sont dans le droit commun, il n'y a plus personne, contrairement à ce qui s'était passé en 1981 sur la loi dite anticasseur et sur la loi sécurité et liberté, qui ont été abrogées par la gauche, enfin par Mitterrand, abrogées partiellement, oui, par Mitterrand quand il arrive au pouvoir. Il n'y a plus aujourd'hui une perspective politique qui est celle de demander l'abrogation. Et sur l'amnistie, alors j'ai été frappé parce que j'étais invité un jour à un débat, il y avait Yann Brossa du Parti communiste, et donc on parlait de l'amnistie. Donc j'étais ravi, hein, sur une chaîne de télé de grande écoute, de pouvoir parler de l'amnistie. Et même Yann Brossa du PCF a dit « Ah oui, alors moi je demande l'amnistie, mais attention, pas pour ceux qui ont commis des violences. » Je dis « Mais c'est du délire. » C'est-à-dire que Giscard en 74, il amnistie, je parle même pas de Mitterrand, mais Giscard en 74, il amnistie les délinquants politiques, y compris ceux qui étaient condamnés pour des faits de violence. Et donc on a oublié qu'effectivement, l'amnistie, c'est encore une... Je veux dire, on nous bassine, le gouvernement nous bassine tous les jours avec les institutions de la République qui vacille, les traditions républicaines. Moi, je vois des traditions républicaines dans l'histoire du délit politique, j'en ai parlé, dans l'histoire de l'amnistie, dans l'histoire de la critique des lois scélérates. Tout ça, ce sont des traditions républicaines. Et moi, ce que j'essaie de faire modestement avec ce bouquin, c'est de rappeler qu'elles existent et que les gens, que vous et moi, s'en saisissent. C'est tout. Je voudrais revenir sur les jeunes Allemands, ce qu'on a trouvé chez eux, la revendication, par exemple, que l'État allemand ne finance pas les recherches militaires aux universités. C'est une revendication principale du mouvement de la paix allemand. Alors moi, nous, on n'est jamais poursuivi à cause de ça. Alors je me demande comment on peut vous renseigner avec une telle formule. Pour moi, mais je voudrais demander autre chose. En novembre 2017, le nouveau gouvernement Macron a mis les lois de l'état d'urgence dans la loi normale. Ça joue un rôle de dégradation dans les... Parce que moi, j'étais ici et il y avait la Ligue des droits de l'homme qui a protesté, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de réactions. La réaction vient aujourd'hui avec la répression des gilets jaunes. Moi, je vois ça comme ça. C'est toujours difficile de travailler après. Alors, jusque-là, depuis qu'on parle ensemble, on a parlé de droit pénal. Pour répondre à votre question, je suis obligé de parler de droit public, c'est-à-dire de droit administratif. Oui. C'est-à-dire que l'état d'urgence qui a été mis en place de 2015 à 2017, c'est une série de techniques législatives qui donnent à la police, c'est-à-dire aux préfectures, aux ministres de l'Intérieur, le pouvoir de limiter les libertés des citoyens sur la base des soupçons qu'on nourrit à leur égard. C'est-à-dire qu'en gros, avec l'état d'urgence,
on va pouvoir assigner à résidence un individu, c'est-à-dire le priver de sa liberté en l'empêchant de se déplacer où il veut. On va pouvoir le perquisitionner, l'interdire de se rendre à tel ou tel endroit, sur la base d'un simple soupçon, et non pas sur la base de ce qu'on pense qu'il a commis une infraction. On n'est plus dans le droit pénal, c'est infraction préalablement prévue par le code pénal et qu'on a effectivement commis. Là, l'état d'urgence, c'est la logique du soupçon. C'est l'ère des suspects. Et donc, c'est une fiche de renseignement qu'on appelle des notes blanches, qui sont rédigées par les services, enfin la DGSI, parfois la DGSE sur des affaires internationales et en général le renseignement territorial quand c'est plus local. Des fiches de renseignement sur des individus qui vont amener les autorités policières à prendre des mesures restrictives des libertés des citoyens. Et en fait, cette logique du soupçon, dont je parle beaucoup dans le livre, c'est une logique qui effectivement se diffuse à un certain nombre d'autres domaines, effectivement, qui est entrée dans le droit commun. Et je pense que malheureusement aujourd'hui, on est arrivé à un moment où les magistrats acceptent l'idée qu'on puisse être dans ce soupçon et limiter la liberté des citoyens en fonction du soupçon. Je vous donne un exemple très concret, c'est au tout début de l'état d'urgence. En décembre 2015, je défends un individu assigné à résidence pour soi-disant islamisation radicale, enfin bref, devant un tribunal. Et moi, je dis ce que la police dit, ce que les services secrets, les services de renseignement disent sur mon client, c'est totalement faux. Puis je dis pourquoi. Et donc là, le président du tribunal me dit, mais enfin, maître, il n'y a pas de fumée sans feu. Et quand un juge dit ça, c'est qu'en gros, il suffit que la police fasse de la fumée pour qu'un juge se dise, OK, il y a forcément quelque chose à la base de la fumée. Et donc, en fait, voilà, il y a une intégration de cette logique du soupçon, y compris chez des magistrats qui devraient être des remparts des libertés. Je tiens à dire aussi, comme on l'a vu avec Camille Yalu, comme on l'a vu à Lyon, que parfois aussi il arrive que les magistrats, heureusement, prennent des décisions qui sont tout à fait remarquables. Et je vous ai parlé de Lisieux tout à l'heure, où le tribunal a annulé, mais je pourrais multiplier les exemples. Voilà, je pense que c'est important aussi de le rappeler qu'il y a quand même aussi de temps en temps de bonnes décisions qui viennent limiter ce pouvoir-là. Ok, il y a quelqu'un derrière. Oui, je vais rebondir sur la question du fichage. Vous disiez tout à l'heure, il y a des fois des fiches qui se prolongent, enfin, des inscriptions dans des fiches qui se prolongent, en fait, qui peuvent pourrir la vie des gens au-delà du temps où ils étaient partis. Il fut un temps où la CNIL pouvait intervenir et en fait vérifier que les choses étaient correctes, et si en fait le fichage n'était plus dans les limites de temps imparties, rayer, sans dire à la personne, puisqu'effectivement il fallait que ce soit secret, etc. Enfin, elle faisait le travail, elle effaçait. Maintenant, on ne peut plus faire appel à la CNIL, en fait, il faut faire appel au ministère de l'Intérieur. Et donc, en fait, est-ce que la CNIL, qui est-ce qui remplace ce rôle qui, la CNIL? Je pense que vous faites référence à un décret qui a été adopté, je crois, en août 2018, sur la réforme de la procédure concernant la critique des fiches S et l'accès aux fiches S. Je pense que vous faites référence à ça, où effectivement, avant ce décret, on demandait à la CNIL de demander au ministère de l'Intérieur si on était fiches S. De toute façon, la réponse est la même que celle que je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vous dire, alors que maintenant, c'est le contraire. On demande au ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur dit « non, je ne peux pas vous dire », puis là on saisit la CNIL, et la CNIL nous dit « non, je ne peux pas vous dire ». Donc ça ne change pas grand-chose. Mais oui, mais là je parle spécifiquement des fiches S. Ensuite, sur tous les autres fichiers, la CNIL est censée pouvoir intervenir, mais je pense que c'est démesuré, et elle ne le fait pas. Mais en fait, la vraie responsabilité de ça, elle repose sur le parquet. Parce que c'est le parquet, dans son rôle d'exécution des décisions de justice, qui, une fois qu'on a une décision qui est rendue, et donc que le contrôle judiciaire est levé, il appartient au procureur de la République de purger ça et de faire... voilà, c'est pas le rôle de la CNIL. Et dans le cas de Gaspard Glanz, et dans un grand nombre de cas, même en droit commun, je pense que c'est le parquet qui manque à son obligation de mettre à jour ses fichiers. Merci. On va continuer là-dessus. Après, si vous voulez poser des questions, on peut discuter avec vous. Et donc, deux autres rendez-vous, samedi... ceux qui sont disponibles à 14h, place de la Comédie, nous, on y sera en tant qu'idée des droits de l'homme pour être présents. Et surtout ensuite, le 12 décembre, hein, 14h, le procès de Camille Yalu, tribunal correctionnel. Merci.